Fresh Morning. La Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Je suis avec Renerut. Renerut, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment bonjour, tu vas Gina. Je vais très salut, bien. Il y a la forme. Oui, il y a la forme. Il y a toujours la forme. Oui, vous vous savez dire quoi. Oui, la cotisa. Je ne suis aussi déracinée, non. Donc, je parle pas. Oui, la cotisa. Oui, je comprends. Ah, voilà. Donc, tu comprends quand même ce que oui, la cotisa veut dire. Non, juste la pointe du jus. Mais c'est triste, hein. Tu viens de dire. Oui, oui, mais justement, c'est. Ma diadine. Billy Jean. Dina, tu vas sortir. Billy Jean. Black Fire Love. Sors. Va nous attendre là-bas, on finit la rubrique. René Ruth, le week-end, comment ça s'est passé? Oui, le week-end, c'est... Aujourd'hui, c'est mardi, c'est ton premier rendez-vous de la semaine. Le week-end s'est très bien passé. J'étais en mode série, j'étais en mode décoration. Avec ah, tu fais comment... de la déco? Non, j'étais... Oui, je voulais un peu de... du nouveau et tout ça à la maison. Donc du coup j'avais un rôté à la maison, donc j'ai seulement acheté le tissu et mon voisin a rhabillé ça comme il est tapissier, donc j'ai regardé comment il est en train de faire et tout ça là, et puis c'était magnifique. Oh, donc après j'ai oui un voisin a toujours son intérêt quelque part. Non, au regard, tu as vu comment mais tu es la fraîche, quel intérêt, ça veut dire qu'il a un intérêt. Le jour il a faim, tu vas préparer, il va manger. Non, là, ah, c'était vous pas... vous avez des idées sombres. Non, on n'avait pas d'idées sombres. C'est la saison qui vous fait ça, je vous comprends. Non, il est tapissier, donc du coup, je profite, en fait. Ah, toi, si tu as une fille, le jour où tu vas préparer, il va manger. Mais il va profiter. Mais il n'y a pas de problème. C'est pourquoi je dis que chaque voisinage a son intérêt. Il n'y a pas de problème. Wendendale. Tu paniques. Non, mais il m'a bien refait ça. Donc, du coup, après, j'ai seulement rajouté les petits trucs au mur, le papier peint. Donc, c'était. Ah, mais tu es dans la déco. Ah, tu as mis du papier peint? Oui, le papier peint. Je cherche justement du papier peint. En fait, toi, tu cherches tout. Ouais, je cherche tout. En fait, la vérité, non. C'est que ma maison en ce moment me gaze. Je pense que je suis trop restée dedans. En fait, je trouve qu'il n'y a rien qui va. Il n'y a vraiment rien qui va. Si tu as changé un appareil. J'ai envie de changer. Et l'appareil a modifié la physiologie. Je trouve que la cuisine est trop blanche. Oh. Donc, je veux un papier peint qui change la couleur de la cuisine, tu vois, pour délimiter que c'est l'espace cuisine. Et puis, je veux changer la douche. Je trouve que. En fait, je veux tout changer. En ce moment, je ne suis pas bien. C'est dans le changement. Je suis dans le changement. Je veux cette table en tronc d'arbre qu'il y a en coque. Que la fraîche doit m'acheter. Je veux un fauteuil de lecture. Mais il va acheter ça tout à l'heure, ne t'en fais pas. Je veux un fauteuil de lecture. Je veux une nouvelle lampe. Non, il va acheter ça tout à l'heure. Je t'achète un truc, c'est que c'est pas moi. Oui. Fraîche, les temps sont durs. Mais pas pour toi. 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 D'accord, c'est bon. Tout le monde peut être là. T'es pas le mal. Tu as vu les choses qui sont à la colle. Pas pour toi. Oui, René Rich. Aujourd'hui, on parle de quoi? Aujourd'hui, on va. Ah, tu vas encore m'aider, hein, mais tu te moques pas trop de ma prononciation, s'il te plaît, cher Brésilien. Moi, je suis un Brésilien, tu viens me faire parler les langues que je ne connais pas. Non, mais s'il te plaît, Dafresh. Donc, on va parler des verbes, en fait, et on va mettre la traduction enfant. Donc, s'il te plaît, j'ai besoin de toi pour la prononciation. C'est vrai que j'étais avec Jean-Paul le matin, mais peut-être que. Bah, Jean-Paul, il maîtrise plus que moi. Oui, il maîtrise, mais après, j'ai peut-être pas. Tu vois, vu que j'ai tenté de les répéter à chaque fois, mais il y a des verbes, les prononciations qui m'ont peut-être un peu échappé. Donc, s'il te plaît, si tu peux m'aider à la prononciation, cher Brésilien. Donc, je vais commencer par être. Donc, l'auxiliaire être. On a à ne. On a avoir, able. À ne, à ne, à ne, donc, après, on a faire, à beau. On a dire, à zo. Ou c'est à zo, d'afraîche, la prononciation. C'est quoi? On a dire. Non, mais dire enfant. Toi, tu parles enfant, Julien. Tu connais les verbes enfant. Non, c'est parce que adzo, c'est pas ça. Parce qu'on dit adzobidi. Adzobidi, on ne dit pas que j'aime dire. Adzobidi, si j'aime manger. Attends. On a partir, donc aller. On a à que. Donc, on a à ne, suivi d'un verbe pouvoir. On a obtenir, c'est à non ou à bin. Donc là, ça dépend du fond de l'estuaire ou encore du volontem. On a écrire, à tili. On a faire ou encore fabriquer, à lun. On a savoir, à yem. On a vouloir, à kumu ou encore à komo. Donc, on a penser, siman. On a prendre, à kure, je pense, à kure. Donc, comme il n'est pas trop avec moi là... Prendre, c'est quoi? Prendre. Il y a A, K-U-G-H-E.
il a dit, attends, Jean-Paul a dit que je dois prononcer à quoi. C'est quoi prendre d'Afrèche? Dit prendre. Magnon. Je prends. À court. Ici, c'est à court. Mais c'est la prononciation parce que Jean-Paul m'a demandé. Moi, je ne connais pas le fond que tu parles. Hein. Si, tu connais le fond. Le fond des miennes que tu parles. Non, j'étais avec Jean-Paul le matin. Si c'était le fond mienne, il devait me dire non. Prendre, pas. Le verbe prendre. Prendre. En là, fond, c'est à court. Ou à tout, ou à touré. Ou à tour. Attends. À toi. Ah, hein? Ah, ah. Non, non. Non. Mais attends, non, mais vraiment. Voilà pourquoi je t'ai dit de m'aider de la prononciation d'Afrèche. Comment non, tu fais, tu m'affiches vas-y, un comme autre ça. Verbe. Oh, je suis déçue. Donc on a voir, ayen, ayin ou ayen. 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 On a venir, azou. Azou. On a regarder, adore. Adore. Venir, c'est azou. Donc mazou me wata. Oui, je viens vers toi, Seigneur. On a usé ou encore utilisé Abelan. Abel. Abel. Mais bah, pourquoi tu ris à chaque fois comme ça? Parce que ça m'a. C'est Gina qui chante mal. Mais je découvre les mots que j'ai chantés toute ma vie. On a travaillé, donc Asseigne. Asseigne. On a parlé. Akobo. On a appelé. Aloué. Aloué. On a essayé, donc Avora. On a avoir besoin, Aï ou Akomo. Akumu. 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 Avoir besoin, avoir besoin, c'est Akumu. Le besoin. Oui. Mais l'envie, c'est Aï. D'accord. Donc après, on a aimé, Azing. Azing. Donc, Jean-Paul me disait que. Il y a différence entre aimer quelqu'un et aimer un objet par Mading. Non, là, il a dit que Mading. Je te courtise. Oui, là, il a dit Mading, c'est par rapport à la personne, en fait. Maintenant, tu peux dire par rapport à quelque chose. Donc, là, il a dit Azing. Azing. Hein. Mm-hmm. Il y a la différence entre aimer la personne. Azingoa. Aimer quelque on chose. On dit pas Mazingoa, on dit Mazing. Mazingoa, bébé, c'est pour la vie. Ça, c'est la chanson de la maman. Oui. On a mais d'après, j'ai dit beaucoup de zing dans la chanson là. Il y a différentes variantes. Zing, Mazing, quoi. Mading. L'amour que je t'aime. Oh, tu t'as vu à quel point c'est puissant. Zing, 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 maman, zing, bébé. Enfin, on répète le verbe et l'adverbe pour préciser, pour rentrer dans la précision. Pour parler de l'intensité. Brésilien qui maîtrise le vent. Tu vas l'intensité. En réalité, c'est l'intensité de l'amour que j'ai pour toi. Tu vois, l'amour que je t'ai aimé. C'est profond. Adzing Mazingwa. C'est ça. Adzing Mazingwa. Donc ensuite, on a acheté. Akous. 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 On a apparaître. Ayen. Ayen. On a attendre. Ayene. Ayene. Donc on a. Ayan. Ayan. Mayanwa. Ayan. On a servir. Abelan. On a mourir. Aou. On a envoyé. Alom. Alum, 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 alum. Alum. Je t'envoie. Ok, on a patienté. Ayan. Merci. On a changé. Oh non, changé, elle dit que je vous avais ça. Assang, quoi? Assangle. Assangle. Changer. Assangle. Parce que j'ai dit au grand que, mais là, le grand, c'est Assangle. Il a dit, Renérit. Donc ensuite après on a conduire et il m'a dit qu'il y avait une différence entre conduire, conduire un objet, un véhicule et conduire des personnes. Donc là le conduire Aoul Ambot. Aoul. Aoul. Donc après on a conduire maintenant là Adourou. Adourou. Ok. On a construit. Adourou Motoua. Tu conduis la voiture. Conduis la voiture. Donc après on a construire Allons. Allons. On a regardé ou bien rendre visite à BP. C'est à BP, hein? Je ne sais pas, moi je suis brésilien, moi tu me parles des trucs que je ne comprends pas. C'est vrai. On a suivre, donc c'est à B. On a couper. Suivre, c'est quoi? Suivre. Suivre, c'est à ton. Ah, parce que si tu avais dit Abé, là, il y a une expression qu'on dit tabé. Ça n'a rien à voir avec suivre, hein. En fait, vous, vous direz les exures quand vous connaissez enfin. Oui. Donc après, on a coupé. Donc, Atir. D'Afrèche, pardon. Atir. Parce que deux fois, je parle au fond du Moinogoué, deux fois, je parle au fond du Wolentem. C'est parce que j'ai vécu avec mon père et ma mère. Mais vous, vous comprenez, non? Facilement. Bah, bien sûr, c'est le fond. Oui. Donc achir. Après, on a. Atir. Atir. Ok, donc on a lire, allant, on a allant, donc on a parlé ou raconté,
Allélan. Donc, on a permettre, aveu, on a ouvrir, Allah le grand Mathieu. Aïe, d'afraîche, ouvrir. Aïe, non, la prononciation, elle m'a mal du diable. Il a dit quoi? Il a ouvrir, il a prononcé. En fait, là, c'est W-Y-E, mais là, il a dit qu'on doit pas. Aïe, un truc. Aïe. 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 Quand Yue Bing va ouvrir la porte. Oh, merci, cher Brésilien. Donc. Aïe, Yue On a. Gina, tu dis quoi? Aïe, Bing. C'est ça. On a augmenté, donc à Coq, on a marché à Oulu, on a offrir un cadeau à Veda, ou bien j'ai bien prononcé dans la frette la prononciation. Pas les cadeaux enfants. Cadeau, c'est cadeau. Mais offrir un cadeau, tu veux qu'on. Il n'y a pas les cadeaux chez les femmes. Mais comment tu dis je vais t'offrir un cadeau? On ne dit pas ça. Il n'y a pas le cadeau, tu vas dire ça comment? On n'offre pas. C'est un peuple barbare. Non pas le romantisme. C'est... Ah, mais tu as vu, c'est toi-même, hein, d'Afrèche. Donc, c'est toi-même. Donc, moi, là. Ils vont t'attendre à la fin de l'émission. Après. Je vais leur expliquer ça. On a tombé, donc, à coup. Combi. On a laissé à Lick. On a. Pourquoi il rit ? On a maître, donc, Agnès. C'est Agnès, non ? Aveu. Non, hein? Maître. Maître. Il y a maître de aligné ou maître de aveu. Donc après, on a signifié. Donc à Ili, on c'est, a. C'est dit que c'est malin, il veut mourir. Le grand. Le grand, vraiment, je suis désolée pour la prononciation. Papa dit que le. Il y a déjà les clashs. Tu vois les fans. Les gars bizarres, il y a déjà les clashs entre eux. Faf dit déjà que le vrai fan, c'est le fan du moyen le goût. C'est malin qu'il est en train de dire que non. Moi j'ai un grand cœur, les gens voyaient, mais je suis vraiment désolée. J'ai déjà un grand cœur, envoyé le message. Le grand G, il a dit que René, s'il te plaît, laisse. Non, laisse. Non. Le fond n'est pas une langue plate, laisse. Non. Donc tu as chaud dès que tu finis l'émission là, aujourd'hui là. Non, je ne peux pas. Je fais les recherches et après, si je trouve certaines personnes pour m'aider dans la prononciation, parce que si à chaque fois je rencontre une difficulté, puis je laisse, mais je ne vais pas avancer. Voilà. Tu as raison. Là, allons du coup, le grand G, bonjour, je persiste. Donc après, on a précisé. Allons la frangine, je te soutiens. On a précisé. Donner explication d'Afrèche à vœu à il. Après, on a laissé ou abandonné. Là, la prononciation va encore me dire abandonné. Laissé. C'est Adera. Adera. Donc, on a commencé à Soum. Assoum. Pourquoi tu dis Assoum? C'est Assoum. Assoum. Mais... Comme si tu voulais faire Achoum. Assoum, c'est quoi? Assoum, commencer. Assoum, commencer. Donc quand quelqu'un s'appelle Assoumou, c'est pas pareil. Assoum et Assoum, c'est pas pareil. D'accord. Assoum, commencer. Donc après on a aidé. Avol, c'est avol ou bien avol? Volema. On a déjà parlé, on a parlé. Donc Akobo, on a tourné. Akobo fin. C'est ça non? Parler. Demande au Brésil. Akobo. La fraîche, Akobo, c'est parler. Bah voilà, donc quand je dis Akobo fin, je parle le fin. Oui. Tu parles le fin, Gina. Akobo Nzebi. Donc après, on a débuté, donc à Terre. On a. Atara. Ah, c'est pour ça que dans le Mvet, quand ils commencent à chanter, il n'y a pas le Mvet, l'élone, ils font Atara Terre. Tu n'as pas écouté ça dans les chansons. Attends, je vais trouver la chanson, je vais te partager ça. Il fait Atara Terre. Genre, je commence. Ça va être chaud. Gina, mais tu es nul, c'est pas mais je découvre. C'est des histoires, ça. Il dit ça. Mais si, il y a une chanson que j'ai déjà écoutée, je te jure. Il dit Atara Terre. Donc, mais croyez-moi. Je commence. Donc après, on a entendre Awok. Maour. Maour. Mais Awour. 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 Ok. Donc on a joué Avouine. 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 Donc on a courir Ambara. Ambara ou Ambara? Amarmbi. Tu vas tuer les auditeurs. Mais chers auditeurs. On m'a fait le message que d'après, je suis des tueuses de langue avec toi. Non, s'il vous plaît, ne me faites vas-y, pas ça. Vas-y, continue. Donc après, on a vivre. Anning. Ok. Anning, la vie que je vis. Ok. Répète, Gina. Anning, Manning. La vie que je vis. Mais tu es un philosophe. Mais d'après, si on a envie de dire l'amour que j'étais aimée dans la vie que je vis. Hein?
l'amour que je t'ai aimé dans la vie que j'ai vu. Pourtant, c'est quelque chose de romantique. Est-ce que tu capes comment ces gens... C'est vivant. Non, c'est pas romantique. Hein. Ça peut pas être romantique. Vous n'êtes pas mais non, mais la phrase en elle-même est romantique. Les femmes ne connaissent pas le romantisme. C'est... Ce sont les NZB qui nous ont appris le romantisme. Ah oui. Oui, nous, on est des romantiques dans la main. Continue. Après, on a croire. Mm-hmm. Donc, c'est abouine. Hein. Mm-hmm. Abouine, croire. On a tenir. Abigne. À quoi? À quoi? Tenir, tenir. Abi. 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 Mm-hmm. Avec la brutalité. Mm-hmm. Abi. Donc après, on a comment on dit apporter? Hein? Apporter. Apporter dans quel sens? Apporte. J'apporte un plat à un anniversaire. Maman, mais attends, je gars. Connais pas. Non, on n'apporte pas. Vous n'apportez pas, comme oui. Vous n'avez pas de cadeau aussi. Mm-hmm. Okay. Tout ça là, c'est des dents. Moi, je dis qu'il y a un mot qui ne connaît pas, il dit que non, il ne fait pas ça. Et on va terminer par arriver. Mm-hmm. Azou. Azou. Azou, hein. Mm-hmm. D'accord, merci. Vraiment, je suis désolée, cher auditeur. Donc, en fait, quand je fais les recherches, mais comment c'est difficile. Ta rubrique, c'est une torture. Non, tu ne peux pas dire ça, je suis désolée. Non, 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 parce que tu étais censée m'aider. En fait, cher auditeur, je ne peux pas abandonner à la moindre difficulté. Il faut que je demande bien de l'aide. Et aujourd'hui, c'est lui qui devait m'aider. C'est comme la chanson. Il a passé son temps à rire. Donc, mais c'est pas grave. Tu n'as pas dit le cœur. Non, mais j'ai pas. Non, c'était pas dedans, en fait. Minzo, minzo. Donc, j'ai terminé. Excusez-moi, cher auditeur, pour la prononciation. Je ferai mieux la prochaine fois. Ce que signifiaient certains mots que j'ai cités dans les chansons. Assoum. Assoum, c'est commencé. Voilà. Donc, voilà, d'après, j'ai terminé ma rubrique. Encore désolée. Merci, Irène Eric, qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Dafresh Morning. Le réveil matinal au pleut de la capitale sur la radio. La pleut de la capitale, René Rue. Donc, on se retrouve quand? Jeudi. Jeudi, voilà, jeudi, lorsqu'il sera exactement 9h30. Restez connectés sur les 104.5 René Rue. Ne part pas, on a l'horoscope des auditeurs. Oh, bonjour. Dafresh Morning.